Les signes les plus tapageurs, je dirais, c'est la diminution de la force, voire la paralysie complète d'un bras, de plus ou moins d'une jambe, voire une paralysie faciale, c'est-à-dire la bouche attirée d'un côté, la perte de la vision d'un œil également, et l'engourdissement également, les fourmillements, la perte de la sensibilité, toujours d'un bras, d'une jambe ou de la moitié du visage, toujours d'un même côté. Ce sont surtout, et puis évidemment, les troubles du langage également, les troubles de compréhension et les troubles d'expression, de toute façon que la personne qui n'arrive pas à bien parler. Mais avant tout, c'est vraiment le caractère brutal de ce type de symptômes qui est fondamental à retenir.